C'est une grande joie d'avoir une mission, tout d'abord, ici, à Fréjus-Saint-Raphaël. Et cette mission nous rassemble tous. Et c'est ce qui nous motive ici, après cette semaine, où nous avons pu évangéliser dans la rue, nous avons pu faire des visites paroissiales, nous avons pu assister à un grand nombre d'activités. On a pu chanter également, comme vous avez pu rendre compte. Voilà, et on vous partage cette joie, tout simplement. J'ai beaucoup aimé donc la messe des artistes qui s'est déroulée à l'église Saint-François de Paul. Et donc c'est vraiment un bon moyen d'évangélisation, tout ça. Ça permet aussi aux artistes tout ça, de montrer la présence du Christ dans la vie de tous les jours. Moi personnellement, j'ai fait des belles rencontres avec des personnes d'origine musulmane et on avait donc du matériel, des Nouveaux Testaments, des DVD aussi de la vie de Jésus et j'ai passé encore hier sur le marché avec Kamel presque une heure à parler, pouvoir annoncer cette certitude du salut en Jésus. Alors une grosse expérience marquante que j'ai vécue, c'était au bord de la plage. On était là, la semaine a été quand même assez dure et on avait rencontré pas vraiment beaucoup de monde qui était très intéressé. Et d'un coup on s'est dit avec mon binôme, cette personne, ça va être notre cadeau du Seigneur. On est allé la voir et là elle nous a raconté, mais alors un témoignage de vie, c'était impressionnant et on était... vraiment à l'écoute de cette personne qui avait beaucoup de choses à dire contre l'Église et pour l'Église. Et donc du coup, on a prié avec elle, on a prié longtemps avec elle pour qu'elle soit justement délivrée de ses poids, parce qu'elle voulait vraiment se lâcher, elle voulait vraiment lâcher tout ça et les laisser comme ça derrière elle pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et ça, c'est vrai que ça nous a... on était vraiment très contents du coup de cette mission, cette rencontre. Ça nous a vraiment redonné le sourire.